Bon, t'as envie de Ken, oui ou non? Arrête. Mais je te dis que mon frère, depuis qu'il est là-dessus, il arrête pas de baiser comme un lapin. Elle s'appelle comment ton appli? Bon, passe. Toi, t'es Georges. J'hésite en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, ma première fois avec un mec que je connais même pas. Je sais pas si c'est une bonne idée au final. Non mais Noah, tu vas avoir 18 ans et t'es encore puceau. Je pense qu'il te faut de l'expérience là quand même. Et avec ça, l'avantage, c'est que c'est vite fait bien fait. Au moins, tu seras sûr de ce que tu veux, tout simplement. Crusher. Ouais. C'est que pour les mecs, mais tu vas voir, tu vas vite devenir accro. Je te bloque, toi. Et voilà, pas de réponse. Putain, quelle appli de merde. Fois. Pas que tu tombes amoureux d'un inconnu le premier soir. Je suis pas amoureux. Et c'est pas un inconnu, hein. C'est juste que voilà. Moi, je trouve ça cool de tomber sur quelqu'un qui pense la même chose que moi. Je suis pas convaincue, hein. Bref, t'aurais vu ce que j'avais en face de mes yeux, je te promets, tu prends peur. Les mecs sont vraiment chiens dessus, t'as des graves raisons, hein. J'ai reçu des kilomètres de bites. Oh mon dieu! Ah, mais on dirait un immense sushi moisi ce truc là! Ouais, attends, mais c'est pas la dernière, prépare-toi. Tiens. Mais c'est horrible! Ah mais qu'est-ce que c'est moche une bite! T'as vu comme elle penche sur la gauche, c'est impressionnant. Ouais, le pauvre en vrai, c'est pas bien ce qu'on fait, faut pas se moquer. Attends, regarde celle-là. Ah non mais je vais vomir, là, sans déconner. Hein. Non mais je suis sûre que rien qu'en touchant l'écran, tu chopes une RST, hein. Méfie-toi. Ah mais putain, j'ai plus envie de manger du coup là. Moi non plus. Mais ça me dégoûte. Putain, déconne.
pourrais sortir les poubelles, s'il te plaît? Chérie, tu peux sortir les poubelles, s'il te plaît? Oui, j'ai entendu, je suis pas sourd, ça va? Lola, rends-moi mon téléphone. Oui, j'ai entendu, ramène-le-moi, fais pas chier. Et comment tu parles à ta sœur, toi? Mais c'est elle qui a commencé, elle a pas à lire mes messages. T'as quelque chose à cacher ou quoi? Non, mais ça la regarde pas. C'est qui? C'est ta nouvelle petite copine? À bout de mon tel. Ta sœur ressemble jamais à rien que tes meufs. Chérie, viens lire le portable de ton père plutôt. Hein? Non, non, on touche pas au mien. Ah bon, pourquoi? T'as quelque chose à cacher toi aussi? Non, le mien c'est pour le boulot, c'est pas pareil, personne ne le touche. Ah, c'est plus la même chose. Méfie-toi, toi, je t'entends d'ici. Hein. Quoi? Imagine, sans faire exprès, elle appelle mon patron. Ça serait vraiment dommage de déranger le patron à une heure aussi tardive, hein? Oh, ça fait longtemps, mon chat. Où est-ce que t'as encore traîné tes papas de toi? Tu sais que ça commence à parler à la maison. 2 ans que tu nous as pas ramené de Minette, on commence à avoir des doutes sur toi aussi. Hmm? Bah, 2 PD sous même toit, ça fait un peu beaucoup. Je te couvre si tu me couvres. Hmm? Ce sera notre petit secret. Hein? Attends, tu parles à une meuf? En quoi ça te regarde? Vas-y, tu peux nous dire, Anne, fais le tibi. Montre à quoi ressemble. Rassure-moi, tu t'es parmi avec le Michto quand même. Chloé, tu te rappelles comment elle était fou amoureux d'elle? Non, j'ai personne, je vous dis ça. Vas-y, on me... C'est juste que c'est encore trop tôt pour en parler, c'est tout. Tu vois, je t'avais dit. Mais il faut tout, c'est pas possible. Tu pourrais partager un peu. Hein. Je comprends pas, moi. C'est toujours les plus réservés qui pécho. Arrête, t'as vu comment il sent bon aussi. Je viens de mettre du dé au t'es con, quoi. Bon allez là, fais pas ta pute, montre-nous à quoi il ressemble. Arrêtez les gars, ça devient lourd. Elle l'a connue ou pas? Ça va changer quoi? J'ai pas envie d'en parler. C'est bon, dis juste comment elle s'appelle. Elle s'appelle Lucie. Elle est pas dans le bahut, personne la connaît. Vous êtes content? Je sais pas ce qu'il a être tendu comme ça là. Je sais pas, moi, normalement quand tu baises, tout relax quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes gros, t'as jamais eu de meuf? Alors, ne pas confondre la beauté en soi, le beau, avec ce qui est plaisant. Pour ce qui est des arts d'imitation, le plaisir ne peut être seul critère du beau. C'est leur vérité qui fonde leur beauté. Un exemple. Est beau ce qui est conforme à ce qu'il imite. Une peinture représentant des actes courageux sera belle si elle restitue correctement le courage. Si elle met en œuvre... Par exemple, le courage lui-même. Pour Platon, il s'agira donc d'imiter les choses belles qui pourront susciter en l'homme le bien.
La beauté de l'imitation dépend donc et de la conformité à l'objet et de la nature à l'objet imité. Ah, juste, j'oubliais, en tant que prof principal, je me dois de vous dire que nous allons accueillir un nouvel élève d'ici 3 semaines. Alors j'aimerais bien que vous l'accueillez dignement quand il sera parmi nous. Je suis fils unique. J'ai la chance d'avoir des parents cool, ouais, qui s'aiment encore. Mon père est toujours fou amoureux de ma mère, même après 20 ans de relation. J'aimerais vraiment connaître ça, moi aussi. Même si, je te cache pas que des fois, c'est un peu blasant. Chérie, t'as quelque chose ici. Non, un peu plus haut. Non, mais là, bon, attends, regarde. Hop, je te l'enlève. Mais t'es bête. Ah, si je vous dérange, vous le dites d'être dans ma chambre. Oh, ça va, on peut plus s'amuser. J'adore les séries télé. Comme tout le monde, je pense, je surkiffe Game of Thrones. J'ai pleuré 2 fois devant. Déjà à l'épisode des Nospo. Et quand j'ai vu la merde que nous ont pondu les créateurs lors de la dernière saison. Non, mais pourquoi? Vous avez pas le droit, mais c'est quoi cette fin de merde, bande de trous du cul? Oh, tu vas faire un truc, c'est 5h du matin là. Ça, c'était vraiment mieux. Ma meilleure amie s'appelle Lou. On est assez fusionnels. On se raconte tout. On n'a pas vraiment de tabou, en fait. Ouais, j'en fatigue. Enfin, surtout elle. Tu l'as vu un soir? Ouais, du coup, le mec se ramène avec une capote ou banane, sans déconner. Genre, il a cru que j'avais besoin des 5 fruits et légumes par jour. J'ai un chat qui est aussi vieux que Gandalf. Il a 20 piges. Enfin, il est plus vieux que moi, t'imagines? J'essaie souvent de le voir, mais il vient jamais quand je l'appelle. Enfin, j'ai bien une technique, mais j'ai toujours l'air d'un con. C'est pas toi que j'appelle. Connasse. Mon père, il dit que même la mort n'en veut pas. Niveau sport, j'ai fait du tennis. Mais j'ai arrêté très rapidement. Noah, si ton service était plus fort, tu pourrais me mettre 15 points direct. Sors les muscles. Au final, j'aurais fait 12 points. Ah. 12 points de suture. Du coup, je refais plus de sport depuis 1 an. Mais c'est mieux pour tout le monde, je pense. Voilà, tu sais plein de trucs sur moi maintenant. Sur ma chaîne YouTube. Ah, je décolle un tuto skate comme d'habitude. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir le pop show vite, c'est une figure de base en skate qui va vous permettre de progresser, d'apprendre d'autres tricks comme le varial flip ou le tri flip. Je vous montre. Donc, pour le pop show vite, c'est très simple. Vous placez votre pied avant sur le milieu du skate, votre pied arrière sur le tail. Vous venez popper, donc c'est très fort.
On doit se voir ce week-end. Je te dis pas comme je suis stressé. T'imagines si en vrai il me plaît pas, ou pire si je lui plais pas. Y'a pas de raison de t'inquiéter, ça va bien se passer, je te dis. Puis le mec il est beau comme un dieu. Au pire, tu me le présenteras si ça marche pas entre vous. Même pas en rêve. Vous avez trouvé un lieu cool ou pas pour votre première date? Ouais, je lui ai donné rendez-vous au vieux théâtre. Ancienne place de la ville? Y'a plus personne qui passe maintenant, donc je me suis dit que c'est le mieux pour se voir la première fois. Ouais, bonne idée. Mais arrête de stresser, tu me stresses aussi là. Je te dis que ça va bien se passer. Ouais, je sais, c'est juste que je suis complètement perdu. Y'a tout qui se chamboule dans ma tête là. Ok, bah je vais te remettre les idées en place alors. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, bizarre, laisse-moi faire. À vivre sa plus belle histoire d'amour. Tout va bien, mon cœur? T'as pas l'air d'avoir passé une bonne journée. Et si tu veux en parler, on est là. Merci, mais j'ai pas spécialement envie de me confier à vous. Bah merci, c'est sympa. Merci, c'était très bon. Elle dure sacrément longtemps, la crise d'adolescence, chez lui, quand même. T'étais pareil à son âge. Je suis encore là, je vous signale. Quoi?
Noah, est-ce que tout va bien? Oui, j'ai juste besoin d'être un peu seul. Si tu veux me parler, mon grand, je suis là. Merci, mais t'inquiète pas, ça va. Bah, tu sais me trouver. Tu sais, quand tu m'as parlé de si j'avais une copine? Ouais, je sais, désolé, on a été relou avec Brick. Non, t'inquiète, c'est moi, c'est juste que c'est un peu compliqué en ce moment. Pourquoi? Tu me promets que tu le diras à personne? Eh, t'es comme mon frère, je dirais rien. Allez, hop hop hop, les filles, sur le terrain, un peu moins de bavardage, plus d'action! Je comprends pas ce gars. Je te jure, il me rend fou. À pas s'assumer comme ça, là, c'est n'importe quoi. Enfin, faut te faire de sa sexualité, non? Je sais pas, moi. Putain. Ouais, peut-être qu'il a pas envie de le crier sous tous les tons non plus, tu vois. Je sais pas, c'est nouveau pour lui. Je vais pas lui laisser encore un peu plus de temps. Ouais, ben moi, je cherche pas une relation virtuelle, en fait. Non, mais de base, on cherchait un plan cul, je te rappelle. Bah, la prochaine fois, tes appuis, je les garde pour toi, vraiment. T'es sérieux, là? Pardon. Putain, mais vite que tu sois en couple, toi, hein, que tu foutes un peu la paix, putain. Oh, dis pas ça. Je vais te manquer, genre. J'aurai moins de temps à t'accorder. Ouais, qui te supporte aussi un peu. Non, arrête, c'est pas vrai, j'ai un super caractère. Et meilleur signe astrologique, je te rappelle. Ouais, et moi, je suis la meuf de Booba. Ah ouais? Non, putain, mais non, pas que je me maquille, là, compte-toi. T'as fait me foutre du crayon dans l'œil. À défaut de l'avoir ailleurs. Putain, je peux plus de toi. Mais pourquoi tu l'as fait ça toi aussi? Je sais, c'est pas cool, mais on va se voir là, c'est bon. T'es amoureux? Ouais, évidemment. C'est pour ça que c'est compliqué. Bah alors fonce mon gars. Et tu t'en fous de ce que peuvent penser les autres. Vraiment, l'amour c'est comme un ange qui t'attrape et qui te tire vers d'autres cieux. C'est si grand et petit à la fois. Si tu le dis, ouais. On a beau dire, l'amour c'est vachement beau. Crois-moi. J'essaierai de m'en souvenir. Ouais. Contre les gens, c'est folie.
bosse. Tu vas en faire craquer plus d'une. Bonjour, vous avez choisi ? J'attends un ami, merci. D'accord, je reviens alors. Chérie ? J'ai une réunion en visio qui vient de tomber à la dernière minute. Je peux pas t'amener là. T'abuses, putain. Je suis déjà à la bourre. Bah, tu me préviens au dernier moment, toi aussi. Je sais pas avec qui t'as rendez-vous, mais elle peut bien t'attendre un quart d'heure, ça va. Maman, en skate, je vais mettre une heure. Écoute, je suis désolée mon cœur, mais je peux pas faire autrement. Fais chier. J'y vais en vélo. Avec un peu de chance, j'arriverai dans 15 minutes. Tu devrais pas prendre le vélo de ton père, s'il l'apprend, il va faire la gueule. Je comprends. Merci.
Je vais tout expliquer. N'approchez pas ou je hurle. Je ne veux pas te faire de mal. C'est pas possible, c'est une blague, c'est ça? Si vous payez, c'est pas vous, Diego. Si je t'avais envoyé ma vraie photo. Bien sûr que non, regardez-vous, vous avez 70 piges. 61. Ça change rien, j'en ai 18, putain. Vous êtes vraiment qu'un gros pervers. Ne vous collez pas à moi. Je m'excuse de tout. Je ne considère pas comme un pervers, je t'ai pas demandé de photo de nu. Vous savez jouer avec mes sentiments, c'est pire. Pourquoi vous avez fait ça? Bah, expliquez-moi, là, je comprends pas. Non, je sais même pas si j'ai envie de savoir, en fait. Y a rien de pire que d'arriver à un certain âge. Et de se dire qu'on est presque fini. Qu'on ne pourra plus retrouver sa jeunesse. Ne pas pouvoir communiquer, ni même séduire. Vous imaginez les conséquences? C'est la première fois que je ressentais quelque chose comme ça pour quelqu'un. C'est tellement la honte, enfin... Vous m'avez menti depuis le début. Depuis le début, vous me mentez, en fait! J'ai souvent voulu te dire la vérité, mais j'en ai jamais eu le courage. En tout cas, je n'ai pas toujours menti. Je m'appelle vraiment Diego. Oh bah chouette alors, il y a le prénom de vrai au moins. Bah du coup, je vous pardonne tout, c'est ça? Il n'y a rien à pardonner. Je suis venu ici pour te dire la vérité. Je devais bien ça. Vous pouvez pas savoir à quel point je vous déteste. C'est qui du coup le mec à qui je croyais parler? Des photos, vous les trouvez sur internet. Vous connaissez même pas? Non, je suis désolé. Alors arrêtez d'être désolé. Je vous pardonnerai jamais ce que vous m'avez fait, d'accord? Comment vous voulez que je tombe amoureux, moi? Vous m'avez anéanti, putain! Mais je suis venu au rendez-vous pour te dire la vérité. J'aurais pu ne pas venir aussi. Vous auriez dû jamais venir du tout. Vous pouvez pas savoir ce que je ressens là actuellement. Moi non. Je suis tombé fou de ton charme. On était deux êtres qui se parlaient tout simplement. Sois bien clair. C'est la dernière fois qu'on se parle ou qu'on se voit. Sinon j'informe mes parents et la police. Je veux plus jamais vous revoir, compris? Compris? Je te promets que tu me verras plus jamais. Je te jure, je sais pas ce qui m'a pris. Ça m'est jamais arrivé avant. J'avais besoin d'une belle rencontre. Je me serais senti intéressant pour quelques jours. Un jour, tu seras à ma place.
commence par retirer un an, puis deux, puis une dizaine d'années. Jusqu'à ne plus avoir de limites, malheureusement. Mais tu verras ça par toi-même. Ça arrivera jamais. Pour la simple et bonne raison que jamais je ferai vivre à quelqu'un ce que vous m'avez fait vivre, d'accord? Noah, tu es un brave garçon. J'espère que tu trouveras vite quelqu'un. Et que tu oublieras cette histoire. Je sais que tu vas me haïr toute ta vie. C'est normal. Mais moi, je te serai toujours très reconnaissant. Merci. Allez-vous-en maintenant. Allez, barrez-vous! Juste une chose, attendez. Promettez-moi de jamais recommencer avec qui que ce soit. Compris? Je te promets. Merci de m'accorder une seconde chance. Quand quelqu'un insiste tous les jours pendant un mois pour te récupérer, tu peux pas faire autrement. Je te promets que tu seras ma priorité désormais. Et si ça remarche pas entre nous, j'espère juste que tu me feras pas passer de nouveau pour la méchante. C'était gamin de ma part et je m'en veux. Mais ça n'arrivera plus jamais. Sûr? Évidemment, oui. Toi et moi, on se quitte plus. Tu sais, je me suis rendu compte que j'étais fou amoureux de toi. Et ne plus te voir pendant tout ce temps, ça m'a montré à quel point je tenais à toi. À quel point je t'aimais. C'est toi qui me rendais heureux. C'est ce que je ressens pour toi, je te jure, c'est dingue. Tu vois, Milan, c'est pas si compliqué de dévoiler ses sentiments. Je t'ai apporté un chocolat chaud. Merci. Tu sais, mon cœur, je sais bien qu'on n'est pas les meilleures personnes à qui tu peux te confier. J'en ai conscience. Mais on sera toujours là pour t'aider, ton père et moi. Je sais, maman. Je sais.
suis sincèrement désolée. On ne s'y est pour rien. Mais tu méritais pas ça. C'est comme ça. Je me demanderai toujours c'est qui vraiment ce Diego. Enfin, celui des photos. Je sais même pas pourquoi je l'appelle Diego, c'est même pas son vrai prénom. Tu veux que... Je sais pas, que je fasse une recherche sur Google ou quoi, et peut-être qu'à partir d'une photo, on peut essayer de le retrouver. Non, non, laisse tomber, je préfère pas. Ce sera encore plus dur après. Je comprends. Ben voilà, faut être réaliste. Nos histoires, elles avaient rien en commun. On devait pas la vivre, c'est comme ça. Il va sûrement avoir une meuf. C'est encore pire psychologiquement, s'échappant qu'il est hétéro. Je préfère que ça reste un parfait inconnu. Allez, viens me faire un câlin. Je serai toujours là pour toi, tu le sais. Moi aussi. Je te jure que je veux pas rencontrer de gars avant un moment. T'as bien raison. Ma vie est décidément pire que cette saison 8 de Game of Thrones. Comment alors distinguer la production des choses réelles de la création de certaines ressemblances ? En distinguant simplement la position du spectateur de celle de l'objet représenté. Celui qui veut créer des ressemblances s'attache à la manière dont le spectateur va voir ou saisir l'objet représenté. Il va donc créer une illusion, telle que dans la perception, l'image semblera conforme à la réalité. Une fois encore, il s'intéresse donc à l'effet produit. Entrez. Bonjour, c'est ici la terminale ST2S. C'est Lino, c'est ça ? Je suis désolé, je suis nouveau, je suis un peu... perdu. Oui, tu as un peu de retard, mais pour ton premier jour, on te pardonne. Alors, tu vas trouver une place là-bas, s'il te plaît. Et on te présentera la fin du thé. Je reprends donc. L'essence de ce que nous appelons les beaux-arts est définie par le terme mimésis, que l'on peut appeler ou traduire de nos jours par imitation. Dans la philosophie de Platon, ce mot-là, mimésis, a deux significations. Bon, notez-le, s'il vous plaît. Elle est d'une part un art de la copie conforme et de l'autre un art de l'apparence illusoire. Monsieur Delattre, c'est ici que ça se passe. Si l'artiste reproduit une œuvre conforme au canon des proportions du corps humain, il crée une œuvre vraie. C'était le cas dans la Grèce antique de la sculpture, la forme artistique majeure qui célébrait le corps humain. Cette figure idéalisée de beauté et de désir, derrière laquelle on pressent la main divine, l'apparence et le fond sont donc. C'était vachement cool. Bah voilà, si t'as besoin d'aide pour quelque chose ou que t'es perdu pour un truc, bah n'hésite pas. Ça marche. Et je t'ai pas demandé à toi en fait, tout à l'heure, c'est quoi ta matière préf ? La langue. Enfin ouais, les langues je veux dire. Ah ouais ? Ouais. Et laisse mes guapo. Si. Tu parles pas espagnol ?
Non, j'ai pris latin en seconde langue. Latin? Sans déconner, il y a encore des gens qui font du latin. Ben, faut croire. Hein. Allez, faut pas que je tarde, il y a mes mères qui m'attendent dedans. Ok. A plus. Ouais. A plus. Lino. Lino. Thank you.